Bonjour tout le monde, j'ai enfin terminé cet album depuis le temps. Alors, par contre, je voulais absolument le faire en un bloc et je n'ai pas réussi, je n'ai pas assez de chute. Enfin, voilà. Donc, j'ai repris 6 feuilles d'un autre bloc. Donc, il vous faudra quand même 2 blocs. Et 2 blocs aussi de. Tout simplement de. Il vous en faudra peut-être même plus, honnêtement, je n'ai pas compté. Pour avoir des feuilles rigides. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, il se présente. Comme ceci, voilà, il est tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Voilà. Alors, j'ai pas compté le nombre de photos, pourquoi? Parce que je n'ai pas fini, en fait si je l'ai fini, mais je vous montre parce que ça vous pouvez le faire hors caméra. Il faut tout simplement créer ce qu'on appelle des cartes, on met à l'intérieur des pochettes. Donc là vous pouvez mettre 4 autres photos. Voilà, donc en fin de compte, vous pouvez ici en mettre 4, plus 2 ici, et 2 ici. Donc ça vous fait 4 et 4, 8 photos déjà. Donc voilà, donc je vais essayer de faire façon sommaire. Donc voilà, là c'est le devant. Donc combien il peut contenir de photos? Donc je vais vous dire ça. Donc là c'est 2 et 2, 4, plus une autre, ça fait 6, pareil. Non, ça fait 8, pardon. 8, alors attends. Voilà. Donc ici, vous pouvez en mettre 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, 10, alors vous pouvez en mettre là, hein, 19, 20. Alors là, ça va être une pochette. Donc il va y avoir 20, enfin, 4 autres photos. Donc 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Là, c'est pas une pochette. 31, 32, là c'est une pochette, donc ça fait 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, là c'est donc 50, donc ça fait 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 72. Donc du coup, j'ai pas compté celle du début. Donc là, il contient 72 photos. Alors, donc 72, donc ça fait 72 plus 4, ça fait 76, 77, 78, 79, 80. Donc de l'autre côté, 82, 84 et plus 4, ça fait 88 photos. Donc l'album peut contenir au minimum 88 photos. Sur ce, je vous laisse avec le tuto. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire un album rapide et facile à réaliser. Alors, facile, il est adapté aux débutantes, et rapide pour toutes celles qui n'ont pas forcément le temps, par exemple, comme moi, pour faire des albums, des jeux. Enfin, ça va être un joli album, mais tout ce qu'il y a de plus simple pour coller des photos vraiment droit au but. Donc pour ça, vous aurez besoin de ceci qui vient de chez Action, et cette collection-ci. Donc ça, c'est une des dernières collections qui vient de sortir, que je trouve absolument magnifique. Donc voilà. Alors, j'ai pris les feuilles blanches les plus épaisses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement une reliure en... Je crois que c'est en U qu'on les appelle, tout simplement. Donc nous allons venir coller deux pages, vous voyez, entre elles. Comme ceci, sur 1 cm. Donc vous faites ça pour... Au total, il nous faut 3 grandes pages. Donc moi, je vais le faire hors caméra. Voilà. Donc je les colle et on se retrouve tout de suite après. Et il en faut 3. Voilà, alors la toute première, donc comme il va y avoir 6 pages au total, il faut savoir exactement la reliure où la mettre. Alors, déjà, moi je veux que ma page mesure 21. Donc, on fait un pli à 21. Alors, 21, voilà, ici. Alors, attention de ne pas couper, moi je l'enlève, voilà, hop. Donc, 21, je fais un pli. Ensuite, je voudrais qu'il y ait de l'aisance. Donc, je fais un autre pli à 21,5. Tout simplement.
de 0,5 mm. Et ensuite, donc là, on va mesurer combien il faut exactement pour tout simplement notre reliure. Donc, il y aura au total 6 pages, donc, dont celle-ci. Et je veux laisser un centimètre entre chaque page. Donc, il va y avoir les 4 autres pages. Donc, ça va faire 5 cm normalement. Si. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, en fait, on fait un pli à 26,5. Alors, attendez. Je vérifie quand même avant de faire une bêtise. Donc, j'ai dit 5 cm. Donc, là, il va y avoir la reliure après qui va mesurer 3 cm et 1 cm. C'est exact. Donc, ça mesure bien 5. Donc, on fait un pli à 26,5. Et un autre à 27 pour qu'il y ait de l'aisance, tout simplement. 27. Et là, notre page, il faut qu'elle mesure encore 21. Donc là, j'ai pas assez pour savoir. Donc en fait, au dernier trait que nous avons fait là, on compte 21. Voilà. Et je fais juste un trait pour savoir où je dois venir exactement couper. Voilà, parce qu'il faut que ce soit droit quand même. Donc, je me mette, voilà, comme ceci. Alors, je vais pas faire... Là, vous voyez, pour une fois, je coupe pas. Je fais ça. Tout simplement parce que je vais créer un rabat. Donc, on vérifie bien que notre dernier a ici une mesure 21. Donc, c'est parfait. Donc, en fait, on a créé tout simplement un rabat ou une pochette. Ça, c'est vous qui voyez. Nous allons marquer tout simplement nos plis. Voilà. Voilà, tout simplement. Et le 0,5. Voilà. Voilà. Donc nous avons créé notre petite aisance. Vous voyez? Et là, pareil, nous allons remarquer nos plis. Les 0,5. Les 0,5 sont quand même relativement importants quand on veut bien fermer un album et surtout l'ouvrir sans souci avec l'épaisseur des photos et des et tout simplement du papier décor. Et ici. Voilà. Comme ceci, vous voyez, on a créé soit un rabat, soit une pochette. Ça, c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. On va voir ce qu'on va faire. Donc là, maintenant, on va faire l'autre page. Alors, je vais regarder combien j'ai exactement ici, parce que du coup, on va rajouter plus de centimètres. Car notre reliure, elle ne va pas être de 5. Maintenant, elle va être de 3. Donc, ça va faire... Là, ici, je suis à 10,3. Donc, plus 2, ça va faire 12,3. Donc, je vais faire 6 cm de chaque côté. Il y aura 6,1. Comme ça, l'autre de l'autre côté, il y aura 6,2. Donc, ça, je mets de côté. Comme ça, il y aura des pochettes ou tout simplement une ouverture, comme on veut. Alors, là, je viens faire un pli à 6,2. Voilà. Ensuite, il nous faut 21 cm. Donc, on va venir faire un pli à 27, j'ai plié à 6,2 ou à 6,1? Ah, j'ai plié à 6,2. Ben, c'est pas grave. Donc, 21, donc ça fait 27,2. Tout simplement. À 27,2, on fait un pli.
et là on rajoute 5 mm, donc ça fait 27,7. Voilà, tout simplement. Et là, on laisse 3 cm. Donc, cela fait 30,7 cm. Donc, je vérifie qu'il y a bien 3. C'est parfait. Et en bas, pareil. Alors, donc... Là, je laisse donc 0,5, donc ça fait 31, donc ça fait 31,2. Voilà. Et là, je compte au dernier pli, je compte 21. Je fais un marquage pour pouvoir plier droit. Voilà. Je viens me coller en haut. Et notre pli mesure 6,2. Bon, c'est parfait. Voilà. Donc là, nous avons créé, vous voyez, de chaque côté, nos pochettes ou alors nos rabats, comme vous le souhaitez. Donc pour l'instant, je fais les plis vers l'intérieur, mais vous pouvez les faire de l'autre côté. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Voilà. Je me mets bien, surtout, que ça ne déborde pas. Alors, nous allons venir marquer tous nos plis et surtout qu'ils soient droits par rapport à notre feuille. C'est primordial. Quitte à refaire un tout petit peu les traits sur ce qu'on a fait. Voilà. Hop, comme ceci. Là, nous allons venir essayer. Voilà. Nos 5 mm, les faire ressortir. Voilà. Moi j'aime bien ce système de reliure parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile et finalement le plus rapide. Voilà, et nous venons marquer notre pli, le dernier, ici. En fait, chaque carré de nos pages mesure 21. Par 21. Donc ça c'est pareil, soit un rabat, soit une pochette, et ça peut aller tout simplement de l'autre côté aussi. L'autre maintenant, la dernière. Alors je vais la chercher. Donc là on va enlever donc du coup 2 cm, ça va mesurer plus que 1 cm. Alors ça vous inquiétez pas, c'est que j'ai mis trop de colle, ça va sécher. Donc du coup on rajoute 1 cm de chaque côté pour les plis, pour les pochettes. Moi, je fais une grosse pochette. Ouais, on va faire ça. Alors, ça sera de l'autre côté. On va faire une grosse pochette. Comme ça, les trois seront à peu près différents. C'est pas toujours redondant. Alors, on fait un pli à 21. À 21,5. Ensuite, nous laissons 1 cm. Donc, ça fait 22,5. Voilà. Et là ici, donc au dernier pli, nous laissons 21 cm. Je fais mon petit marquage. Et vous voyez, il reste, pourquoi pas, donc la pochette elle sera un peu grande, mais tout simplement un rabat. Donc nous allons venir marquer nos plis. Comme ceci.
suis un peu partie de travers, donc on va rectifier. Voilà, c'est parfait. Il ne manque plus que ici. Voilà. Vous voyez, on a créé notre... Donc ça y est, toutes les pages ont été faites. Maintenant, nous allons pouvoir les décorer. Alors, on va commencer par la plus grosse. Voilà, mais celle de départ où il y a 5 cm au milieu. Je vérifie juste l'heure. Voilà. Alors, on va faire ensemble le premier. Alors, je voulais y mettre... Donc, le rabat, il est ici. Donc, ça veut dire que... On va échanger. Ça veut dire que l'ouverture, je la fais comme ceci. Et le rabat, je le prends pour les premières pages. Parce que ça, ça va être la page numéro 1. Donc, ici, nous avons créé notre rabat là. Donc, nous allons créer un autre rabat ici. Et pour ce faire, nous reprenons une feuille blanche. Là. Et on va l'ouvrir dans l'autre sens, vous voyez. Donc on va faire un pli à 1 cm déjà. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et nous allons venir couper du coup. Alors, je compte les 1 cm là que j'ai fait, on coupe à 22. Voilà. Comme ça, on va avoir 21. Voilà. Tac, ça, je garde. Tout simplement. Alors, honnêtement, la page, elle mesure 21 par 21. Vous venez marquer vos plis. Vous pouvez la mettre comme vous le souhaitez, soit comme ceci, soit comme ceci. Mais je me dis que c'est pas mal pour l'ouverture de faire comme ceci pour la première, la deuxième, un mini, ou une pochette, hein, tout simplement. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, ou la rallonger. Comme ça, vous avez une autre page. C'est vous qui voyez. Bref, je vous montre comment faire. Du coup, on colle ici. Alors, surtout, on se met bien. C'est important. Toujours bien se mettre dans le sens du... Très important pour pas que ça déborde, pour pas que ça fasse moche. Alors attention au 0,5, il faut pas que ça déborde dessus non plus. Sinon on viendra recouper, ça c'est pas grave. Voilà. Pour moi là c'est bon. Donc on n'empiète pas sur les 0,5. Par contre, hop, je dirais qu'ici, ça va peut-être venir nous gêner. Il y a un tout petit millimètre que l'on va venir couper. Alors, vous faites attention au rabat de ne pas couper le rabat, bien évidemment. Vous prenez la lame comme ceci. Vous regardez où ça se situe. Voilà. Voilà. Et là, c'est ni vu ni connu. Impeccable. Voilà. Et on vient bien appuyer, c'est important. Pour être sûr que là, ce soit bien. Vous voyez ici, il faut que ce soit fermé. Il ne faut pas qu'on voie de trous. Donc ici, c'est parfait. Nous avons notre rabat et tout. Alors moi, par contre, ici, je vais arrondir mes angles. Ce que j'aime bien. Voilà. Comme ceci. Et là, pourquoi pas, vous pouvez venir créer votre pochette avec votre papier restant. Et vous voyez, on viendra couper légèrement parce que ça dépasse. Donc on va faire une pochette. Voilà, donc là moi je m'arrête là pour l'instant, parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils, et on se retrouvera nous juste après, mais vous, il n'y aura pas de différence.
Voilà. Moi aussi, je viendrai couper après. Comme ça, la colle elle aura bien le temps de sécher. Et voilà. Voilà, donc vous voyez, ici, là, c'est sec. Je suis revenue, je suis rentrée. Nous avons notre pochette où nous pouvons mettre des cartes, des choses comme ça. Où il y a des photos. Et là, ici, on va faire un peu pareil que ce modèle-ci. Alors, pourquoi ça, je ne vais pas le mettre, je pense. Je ne vais pas le mettre de ce côté-ci, mais de ce côté-là, nous allons créer un autre rabat. Donc, pareil, vous venez faire un pli à 21 et vous coupez à 22. Alors, on va couper à 22, ça ira plus vite. Voilà, et on fait un pli à 1 cm. Voilà. Et nous venons arrondir les angles. Voilà. Voilà. Donc nous reprenons notre nos pages. Hop, et nous allons venir coller comme ceci. Alors je réouvre. Alors, je viens bien me mettre au ras. Voilà. Et nous allons venir couper. Vous voyez, il y a quelques millimètres qui dépassent. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons venir, par contre, parce que nous avons coupé un petit peu, tout simplement l'arrondi. Et voilà. Vous voyez, c'est propre et parfait. Alors là, si vous souhaitez faire pareil, il suffit de... je vais voir combien il mesure, on va refaire pareil. Comme ça, au moins, vous pouvez le voir. Ce n'est pas une obligation. 10,2, 10,3. Je suis entre les deux. Alors, du coup, on va prendre à 11,3, on vient couper. Et on fait un pli de 1 cm, donc à 10,3. On va le prendre dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez? Et on va faire la même chose. Ah oui, j'ai oublié, là vous pouvez faire une pochette comme tout à l'heure, de l'autre côté. On va la créer. Alors ça c'est pareil, je vais venir faire les arrondis. Je vais attendre de bien coller déjà. Alors on se met bien au bord, au ras. Voilà. Pardon. Ah bah décidément. Voilà. Donc nous ouvrons. Voilà. Et voilà. Vous voyez, on a fait pareil des deux côtés. Et donc là où on a oublié, voilà, c'est venir mettre la pochette. Donc c'est pareil, la pochette, je vais couper tout de suite 1 mm, peut-être même 2 pour être sûr. Voilà, je vais venir couper entre 1 et 2 mm. Moi, je le fais à vue d'œil.
c'est parfait. Alors surtout, vous venez pas gêner l'aisance. C'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Hop. Et on se met au ras. Voilà. Comme ceci. Voilà, tout simplement. Et là, ici, on arrondit nos angles. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir coller le papier décor. Donc là, soit vous en faites des pochettes. Donc si vous en faites des pochettes, il suffit de venir coller juste ici. Hein. Moi, je laisse en page rabat pour qu'on puisse coller des photos supplémentaires. Et voilà, donc maintenant, nous allons tout simplement venir coller nos papiers décor. Alors, je vous montre pour une feuille et le reste, je le ferai hors caméra. Voilà. On aurait peut-être dû faire d'ailleurs tous et venir coller les papiers après. Ouais, parce que ça ira beaucoup plus vite. Donc, la deuxième partie, on collera les papiers après, c'est pas grave. Pas un souci. Donc, voilà. Alors ça du coup, nous avons nos rabats, donc ici sûr nous ne pourrons pas coller de photos, mais on pourra revenir ici coller autre chose. Donc c'est pareil, ici nous allons mettre, vous voyez, alors pas un rabat qui s'ouvre dans ce sens-ci, mais de l'autre sens, mais c'est le même principe. Alors, nous prenons une feuille, enfin deux feuilles, parce qu'on va faire pareil de l'autre côté, voilà, une et deux, si j'arrive à un rabat. Donc, on vient couper à 22 et on plie à 21. Même principe. Même si c'est dans l'autre sens, comme les pages mesurent 21 par 21, il n'y a pas de différence. Donc, on coupe à 22. Voilà. Et on fait un pli à 21. Voilà. On vient tout de suite faire la deuxième. Je fais les bords comme ça. C'est fait. Voilà. On coupe à 22. Et on plie à 21. On vient faire les bords. Donc si on vient recouper les bords, c'est pas grave, on réajustera avec nos arrondis. Donc là, on va venir se poser comme ceci. Vous voyez ? Que ça s'ouvre de ce côté-ci et pas de l'autre côté. Alors, le même principe, hein, on vient coller. Alors ici, par contre, si on vient couper, ce serait au niveau de l'aisance. Mais je crois que je suis plutôt pas mal, donc j'aurais rien besoin de venir couper du tout. Là, je suis plutôt pas mal. Je suis bien. Et maintenant, on ouvre. Pareil, pour vérifier ici. Et vous voyez, j'ai un tout petit trou ici. C'est pas grave, on vient avec ça, on met de la colle, c'est bien pratique ça. Voilà. Et voilà, et ça colle tout de suite. Voilà. C'est parfait.
on va venir faire la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, les anses, elle n'est même pas gênée. Donc, c'est parfait. Voilà, on se met bien. Alors là, j'ai vu que j'avais de la colle du bloc. Il faut qu'on l'enlève. Bon, ça, je vais le faire hors caméra. C'est pas très grave. Des fois, la colle, elle reste sur les papiers. Et c'est un peu chiant. Des fois, elle part un petit bout, donc il faut avoir la patience de l'enlever. Enfin bref, je le ferai après. Je ne sais pas si je grève le cutter, si ça s'enlève. Pas plus en tout cas. Bref, c'est pas grave. Je le ferai hors caméra parce que sinon on va perdre du temps pour rien. Alors nous, il nous reste deux bandes, donc on peut faire les pochettes, pourquoi pas à l'intérieur ici, ça changera. Vous voyez. Donc par contre, on vient couper les 2 mm parce que là, ça va gêner les anses. Donc là, on vient couper, voilà, 2 mm, 1 ou 2 mm. Vous faites, moi je fais du deuil comme vous le savez. Voilà. Et je regarde si ça gêne encore. Non, ça devrait être bon. Donc pareil, pour faire une pochette, on colle que les extrémités. Sauf l'extrémité du haut, bien évidemment. Voilà. Ouais, vous voyez, je ferme pour qu'elle se mette bien en place. Voilà, est-ce que là on voit la pochette? Pas du tout. C'est parfait, c'est très bien. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. Et on colle. Parfait, ça gêne pas. Du tout. Et voilà. Donc nous avons nos pages du milieu. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Et il ne nous reste plus que celle-là. Hop. C'est parti. Donc là, du coup. Quel rabat je vais faire? Donc ici, ben je vais en faire une qui se lève. Donc il vous en faudra deux. Et ça, après, ça va me permettre de pouvoir faire la même chose. Voilà, c'est une chute qui me reste.
Voilà. Donc, on coupe à 22, on plie à 21. Ah, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Alors. J'avais plus trop de feuilles blanches. Ça arrive de se tromper, hein. C'est pas grave. Donc on coupe à 22 et on plie à 21. Marquer nos plis 22 et on plie à 21. Voilà. Donc on a dit sur le haut, donc je n'arrondis pas les ongles tout de suite, comme ça au moins s'il y a un souci on va le faire tout de suite. Alors, on vient se mettre au ras. Voilà. Je sais plus où j'ai mis mon couloir qui est là. Donc comme vous pouvez voir, on va venir couper un petit peu ici. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Alors là, un petit coup avant. Voilà. C'est parfait, donc là on peut venir tout de suite arrondir les angles avant d'oublier. D'ailleurs sur l'autre je ne l'ai pas fait. On va le faire tout de suite. Sur les petits là. Vous voyez, j'ai oublié. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant de l'autre côté. Alors je me repère par rapport au trait des anses, comme ça au moins je ne gêne pas. Voilà. Il me faut mon couloir. Voilà. Et on va venir couper s'il faut couper. Un tout petit millimètre ici. Mais vraiment un tout petit. Hein. Un léger. Et on n'a pas touché à ça. C'est formidable. Voilà. Et on va venir ici. Voilà. Alors. On va venir tout de suite faire la même pochette ici. Donc ici, j'ai combien exactement? Alors, j'ai 14,3. Donc, on va couper à 15,3. 15,3. Et on fait un pli à 1 cm. Donc, 14,3.
Voilà. Comme ça, nous aurons pareil des deux côtés. On vient bien se mettre au ras comme d'habitude et on colle. Voilà. C'est parfait. Maintenant, nos bords. Voilà. Voilà. Et nous pouvons venir mettre nos deux petites pochettes ici que nous avons coupées 2 mm à chacune. Je vais le faire en aussi court pour aller plus vite. Ben pour moi c'est bon, même si je ferme, je gêne pas les uns. Donc voilà, alors comme tout à l'heure, on vient coller les extrémités. C'est parfait. Voilà. De même de l'autre côté. Comme ça, après, nous aurons plus que la structure à faire. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, nous allons pouvoir coller nos papiers. Alors, vous voyez, des fois ça peut se décoller là ici à l'angle. Donc on n'hésite pas à venir mettre un peu de colle. On vérifie les angles, toujours. Donc voilà. Vous voyez, tout est fait. Il ne reste plus qu'à mettre les papiers décor. Vous voyez, ça va super vite. Donc là, je vais vous faire voir sur un ou deux. Et le reste, vous allez le faire, vous n'aurez pas besoin de moi. Alors, on enlève toujours 4 mm minimum, surtout pour les débutantes. Moi, je conseille plutôt 5 pour les débutantes, pour coller le papier plus facilement. Donc ici, nous avons 21 sur 21. Donc là, nous allons venir prendre un papier qui mesure... Alors, je ne sais pas si nous avons des embellissements dans celui-ci... si nous en avons quelques-uns comme ceci, vous voyez, donc ça je les utiliserai. J'en avais acheté deux comme celui-ci, donc si j'ai pas assez de un, je prendrai mon deuxième. Il n'y en aura peut-être pas assez parce que là il y a combien, 26 feuilles, donc honnêtement je pense que je vais peut-être prendre le deuxième. Voilà, donc là on va venir couper à donc 20. Alors, on est à 21 par 21, donc ça fait 20,6 ou alors 20,5. On va faire 20,5. On va mater à 5 mm. 20,5 par 20,5. Si vous prenez un papier qui a un motif bien spécifique, c'est-à-dire que moi, là, on voit légèrement des fleurs, mais il n'y a pas, c'est à dire que je peux le mettre dans n'importe quel sens, vous voyez. Si vous préférez un sens par rapport à un autre, vous le mettez
Par contre, s'il y a un sens d'image, surtout faites attention quand vous collez vos papiers, parce que ça m'est déjà arrivé. Vous voyez, et on va venir coller. Donc avant, il faut qu'on coupe les bouts avec ça, toujours. Voilà. Et on va venir coller. Voilà. Vous voyez? Donc on n'hésite pas à venir racler. Alors si vous avez une grosse spatule, vous pouvez. Ça va deux fois plus vite. Voilà. Et ça reste surtout droit. Voilà. On n'hésite pas à venir essuyer. Alors il faudra un sopalin que je n'ai pas. Voilà. Alors là, vous faites pareil ici, d'accord, et ici. Alors, comment on va faire ici? Ici, nous avons notre bande de papier. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un papier chargé soit du fond, soit ici, et prendre un papier moins chargé ici. C'est pour le dynamisme des yeux, parce que si on prend chargé sur chargé, ça ne va pas faire très joli. Donc, les chutes sur fond, je ne les jette pas, je les garde pour plus tard pour les autres pochettes. Parce que là, comme on l'a utilisé au-dessus, eh ben, je les utiliserai pour les autres. Voilà. Là, je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. Et celui-ci. Alors, comme ceci, ou plus à l'inverse? Non, moi je préfère comme ça. C'est une question de choix et de goût, vous faites comme vous voulez. Alors, ma règle. Donc ici, nous prenons un papier qui mesure donc 20,6 par, alors on a dit 5, 7,2. Donc, alors là, celui-ci, il a un sens, je crois, c'est plus comme ça. Oui, je dirais. Un montre-feuille ici, là. Oui, je vais le prendre dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que la pochette, elle va être comme ça. Donc, 21, donc je dis 20,6. Non, 20,5, pardon. On a dit qu'on enlevait 5 mm, pardon. Donc, sur 7, je ne sais plus combien. J'ai déjà oublié. 7,2, je crois. Oui, c'est ça. 7,2. Voilà, donc sur 7,2. Voilà. Vous voyez? Et on va venir coller. Alors. Ensuite là-haut, alors il faut que le papier vienne au moins jusqu'à l'ouverture. Alors, je vais mesurer donc 13,2. Donc on enlève 2 mm, donc ça fait 13, environ 2 mm, oui, ça suffira. Donc 13 par 20,5. Donc alors là c'est pareil. Je vais le prendre dans ce sens-là, donc 20,5. Voilà, par 13. Vous voyez, et vous venez le coller au ras. Comme ça, ça ne gêne pas l'ouverture, mais on vient le coller au ras.
on se met bien dans le milieu par contre. Je suis pas assez dans le milieu là. Voilà. Donc surtout, s'il y a de la colle, vous essuyez bien les papiers pour pas que ça colle sur le haut. Bon, moi, je sens rien là. Voilà. Donc vous voyez, donc il restera plus qu'à faire celle-ci. Donc là, concrètement, vous n'avez pas besoin de moi. C'est pareil, ici, on enlève tout simplement 5 mm. Donc ici, ça mesure 10,2. Donc on enlève 5 mm, donc ça fait 9,7. 9,7 par 20,6. Vous n'oubliez pas d'arrondir vos bords. Pareil de l'autre côté. Et vice versa. La seule qu'on ne fait pas, c'est la tranche. La tranche restera blanche. Voilà. Donc là, vous n'avez plus besoin de moi pour coller vos papiers. Je le fais hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini. Donc je n'ai pas fait tout simplement les livrets. Ça, je les ferai en dernier. Voilà, donc je n'ai pas collé les pages, on va le faire ensemble. La seule chose que j'ai rajouté, c'est ici, vous voyez, on avait notre petite ouverture et comme il y avait de jolies cartes à l'intérieur du bloc, je sais pas s'il me reste. Alors, il ne me reste pas grand chose, hein. Je vais, pense devoir réutiliser d'autres, vous voyez, des cartes comme ça, voilà, celle-ci. Donc je suis venue les couper. Et les mater en blanc, en fait, mettre un papier blanc autour, comme vous pouvez le voir, et venir la coller dessus. Voilà, parce qu'on peut rajouter des photos ici ou ici. Voilà, que je voyais un peu plus dans le champ de la caméra, ça ira mieux. Voilà, donc voilà. Donc sinon, tout est fait. Alors là aussi, vous avez deux papiers, tout simplement, parce que bah, j'ai pris mes chutes, tout simplement. Donc je suis venue les coller comme ceci. Voilà, et là ici, pareil. Alors ça fait pochette, mais c'est pas une pochette, hein. C'est tout simplement deux papiers différents. Donc on peut venir mettre des photos comme ça ou comme ça, enfin peu importe après. Voilà, donc j'ai utilisé mes chutes. Voilà. Hop. Donc là on va venir coller les tranches ensemble. Voilà. Donc on va prendre la plus grande. Avec la moyenne, enfin la plus grande tranche. Alors attention, on colle que les parties de la tranche, pas le 0,5 surtout. Hein. On enlève bien, très important. Il ne faut pas qu'on colle du tout les 0,5. Voilà. Et on va venir coller. Là, honnêtement, je vais prendre tout simplement mes doigts pour venir bien étaler la colle partout. Hop, donc là c'est bon. Surtout, j'enlève là où je mets de la colle dans la tranche. Alors, faites attention, le sens, voilà. Ah, j'ai oublié, on vient coller dans le milieu. Donc ça fait à 1 cm de chaque côté. On va se créer des petits repères. 1 cm de chaque côté. Voilà. Des tout petits marquages, comme ça en fait ça ne se verra pas. Voilà, 1 cm, 1 cm. Tout simplement. Et nous allons venir coller. Voilà. Alors, il faut surtout bien regarder qu'on est bien dans le même alignement pour pas qu'il parte de biais, tout simplement. Voilà, vous voyez? Et on n'a pas touché au 0,5. Voilà, donc on va bien appuyer. Voilà.
il n'y a pas de souci. Vous voyez, il n'y a même pas de colle qui déborde. Et on fait pareil ici. Voilà, donc surtout pas sur les 0,5. On ne touche pas au 0,5, interdit. Voilà. Hop, et pareil, un marquage de 1 cm. De chaque côté. Voilà. Voilà. Donc je regarde qu'il soit bien mis dans le même alignement que les autres, et c'est parfait. Je suis vraiment satisfaite du résultat parce qu'il donne vraiment super bien et est vraiment très beau. Voilà, donc maintenant honnêtement on va attendre que le tout colle bien, vous voyez. Donc on les voit bien, les 0,5. Hop, quand on appuie un peu. Voilà. Tac, les 0,5 sont bien là. Vous voyez? On les voit. Mais c'est bien collé entre eux. Donc voilà, donc il faut laisser un plat et sécher un petit peu. Pour bien que ça colle. Pour pas que ça bouge dans le temps. Voilà, donc moi je vais attendre. Et puis après on va se retrouver pour la structure. Et après pour faire les livrets, tout simplement. Voilà, donc là on se retrouve pour faire la devanture de l'album en fait, avec la cartonnette, la structure, voilà, je cherchais le mot. Donc il vous faut deux cartonnettes, donc moi comme vous voyez c'est toujours de la récup, 22 par 22 et ici 6 par 22. Voilà, donc là vous allez avoir besoin de trois feuilles blanches dont une coupée dans toute sa longueur. Alors, je prends une que je coupe à 10,5. Par contre, les trucs d'action, en ce moment, la colle reste coincée dessus et ça, c'est plutôt pénible. C'est pas grave, je les enlèverai après. 10,5. Voilà. Comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper, coller, pardon, bord à bord sur 1 cm les feuilles. Vous voyez ? Voilà, donc là, ici, on colle. Et là, les deux autres bouts, on vient les coller comme ceci aussi, sur 1 cm, toujours. Vous voyez? Voilà. Donc, vous collez les deux grandes, les deux petits morceaux, et après, vous venez coller ici. Donc, on va faire la première ensemble. Voilà. Si la colle veut bien descendre, bien évidemment. Il n'est pas bouché, hein. Ben alors, si c'est bouché, enfin, si le bouchon est fermé, ça ne pourra pas. Voilà. Hop. Donc là, ici, je viens coller environ sur 1 cm. Voilà. Donc j'essaie de me repérer à mon quadrillage pour être plus ou moins droite. Voilà. Ici, c'est pareil, on vient coller. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et après, tout du long. Voilà, comme ceci.
Voilà. Hop. Vous voyez, c'est ultra facile. Je ne sais plus où j'ai mis. Voilà, ici, tout simplement, pour venir racler l'excédent de colle. Et surtout pour que ça adhère bien comme il faut. Voilà. Tout simplement. Maintenant, nous allons venir coller nos cartonnettes. Alors, je vais essayer de reculer un petit peu. Voilà, pour que vous voyez bien comme il faut. Je vais tirer un trait le plus grand possible pour me repérer. Donc, vous, je vais le faire en haut. Mais si vous voulez le faire en bas, vous pouvez le faire en bas. Ça mesure 30, donc 22. Donc, il va rester environ 22 à 30. Donc, il reste 8. Donc, on va faire 4... Ouais, 4,2. On va tirer un grand trait de 4,2. Voilà. Je vais retirer là aussi encore une fois pour être le plus droite possible. Voilà. Alors pourquoi? C'est tout simplement pour mettre notre structure d'album, pour rester un maximum droite. Donc, nous allons coller ici notre... Alors, le pli, on va essayer de le mettre dans le milieu, comme ça au moins, ça ne gênera pas. Et surtout, ça ne pourra pas déchirer la structure de l'album. Donc, il mesure 6, donc je prends 3 cm de chaque côté. Voilà. Tout simplement. Et je viens tirer mes traits. Voilà. Et donc il mesure 22. Approximativement jusque là. Un grand trait. Bon, ici après c'est pas voilà. Si vous le faites en haut en bas, enfin je veux dire, ça sert à rien de le faire en haut et en bas, vous le faites que d'un côté. Et ici je laisse 5 mm. Pourquoi? C'est tout simplement pour plier l'album, sinon vous n'allez pas réussir, ou alors ça va se déchirer. Faut laisser 5 mm par rapport à ma cartonnette que j'utilise. Attention, s'il est plus épais, parce que le mien mesure 2 mm, si c'est plus épais il faudra laisser plus grand. Voilà. Et voilà. Donc ici, ça va être la tranche, la petite partie, et après les deux grands côtés. Donc je colle bien, surtout partout. Et surtout aux extrémités, pour pas que ça bouge. Voilà, et je viens me positionner dans mon rectangle. Et voilà. Et on fait pareil des deux côtés. Vous voyez, je vais les coller et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, vous voyez, c'est collé. On va venir couper les angles. Alors, légèrement biseauté, c'est-à-dire, voilà, légèrement oblique pour ne pas gêner l'angle. Là, c'est d'ailleurs, c'est trop ça. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, nous allons venir coller. Vous voyez, on appuie bien. Hop, un petit bout de colle. Comme ceci. Donc là, on vient coller. Alors, j'ai de la colle un peu partout. Je me méfie. Voilà. Hop. Alors, ne pas oublier ici. Voilà. Hop. Et c'est parti. Hop.
Voilà. Donc, une fois que ce côté-là est fait, on fait ici. Et après, on finit par les deux petits côtés. Voilà. Alors ici surtout vous y allez doucement, comme c'est du papier action, j'ai pas pris du bureau valet parce que j'en ai plus, ça a tendance à se déchirer, donc surtout vous faites attention et vous appuyez pas trop fort. Ici maintenant, donc là concrètement vous n'avez plus besoin de moi, je fais ici et on se retrouve juste après. Voilà, alors là vous allez couper tout simplement deux feuilles, alors vous voyez 21 ça rentre pile poil ici. Alors, et ici, là, vous coupez à 22. Et vous allez les coller après à 22 cm. Voilà. Hop, je les colle comme ceci, bout à bout, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais venir tout simplement. Oh, zut, c'est parti, c'est pas grave. Hop. Voilà. Je vais venir tout simplement coller dessus. Bon, je crois qu'il va falloir que je le remplisse. J'en ai plus. Bon, je vais le remplir et on se retrouve juste après. Je colle, vous avez juste à coller de toute façon concrètement dessus. Je vais juste vous reprendre une fois que je l'ai collé pour bien faire dans les plis que je vous montre pour pas que le papier déchire. Voilà, vous voyez, je l'ai positionné mais pas encore collé. Alors, je vais venir délicatement, vous voyez, assouplir le papier, tout simplement. Voilà, jamais avec la pointe. Hein. Voilà. Là, c'est pareil aussi. N'hésite pas. Voilà, à faire comme ceci, c'est juste histoire que le papier se mette bien en place dans les rainures. Voilà. Quelques petites traces de colle, mais c'est pas grave, de toute façon il y aura du papier décor. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà, maintenant il est important de le laisser sécher un minimum. Voilà, tout simplement pour qu'il adhère bien. Voilà. Parfait. Donc là, on le laisse sécher et après, on va coller le papier décor. Voilà, ça y est, la structure, vous voyez, elle est finie. Voilà, comme ceci. Bon, il y a des traces de colle, c'est pas grave.
De toute façon, il y aura du papier décor. Des petites traces de colle, c'est tout simplement ça a adhéré à mon bureau. C'est pas grave. Il va y avoir du papier décor de toute façon. Voilà. Hop, j'enlève les petites taches. Mais c'est que les traces de colle en fait que j'ai. Voilà. Vous voyez. Hop. Voilà. Donc, nous allons mettre notre papier décor. Mais avant, je voulais créer deux rabats avec une pochette de chaque côté, là et là. Attendez, pour que vous voyez bien. Voilà. Hop, donc une pochette de chaque côté avec un rabat. Donc, pour ça, il vous faut à la base deux feuilles. Donc, est-ce qu'il me reste ici des durs? Non, je n'en ai plus dans ce bloc-ci. Il faut juste que j'en cherche. Voilà, donc on fait un pli, donc là on les prend de ce côté-ci, on fait un pli à 1 cm et on vient couper du coup, donc on compte pas le 1 cm, donc 22 ça fait 23 cm. Alors, on fait un pli à 1, voilà, et on coupe à 23. Voilà. Comme ceci. Et vous voyez, ça, ça va nous servir de pochette. On va pouvoir coller juste ici. Et là, on plie. Comme ceci. Et nous allons venir la coller. Voilà. Juste là. Vous voyez? On n'aura plus qu'à ouvrir. Donc là, vous collez bah, comme ce qu'on a fait sur l'album. Hein, vous venez coller tout ça. Donc vous vous mettez bien au ras ici, ici. Vous collez. Là, vous collez ici, ici et ici. Vous faites pareil de l'autre côté et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, ils sont collés. Alors moi, la seule chose que j'ai fait, c'est arrondir les angles. Vous voyez, comme j'ai fait pour l'album. Donc là, on ne va pas coller la structure au milieu, enfin les pages. On va décorer. Enfin, je vais mettre en place tout simplement les papiers que je vais mettre ici. Alors, j'ai choisi celui-ci. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ça donne super bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je laisserai un beau liseré blanc aussi. Et j'ai choisi, moi, alors du ruban orange pour faire un rappel des fleurs. Parce qu'il y a du orange tout au long de l'album. Donc j'ai décidé de faire un rappel orange. Voilà, vous voyez, ça fait un joli rappel et je trouve que c'est presque de la même couleur que le feuillage. Voilà. Donc, là, on va coller notre ruban. La colle textile, elle est là. Moi, je prends de la colle spéciale textile. Voilà. Ma règle. Alors. Donc, ça fait à 11 cm. Voilà, je fais juste un petit marquage. Enfin, un petit, il est quand même gros. Voilà. Que ça colle bien ici jusqu'au ras.
Voilà. Tout simplement. On fait pareil de l'autre côté. Alors, il nous faut un papier qui mesure 21,6 par 21,6. Voilà. Vous venez coller. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Donc, 21,6 par 21,6. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie quand même pour ne pas vous dire de bêtises. C'est ça. 21,6 par 21,6. Et vous en mettez un au milieu ici. Donc, ici, il mesure 6. Donc, on va faire 5,6 sur 21,6. Et là, pareil, de l'autre côté, 21,6 par 21,6. N'oubliez pas votre ruban, vous collez et on se retrouve juste après pour la décoration, ben, pour faire un joli décor sur le visu de l'album et faire l'intérieur. Voilà, à tout de suite. Voilà, ça y est, comme vous pouvez le voir. Voilà, alors j'ai laissé le trait bleu, c'était un choix. J'aurais pu l'enlever pour... mais j'aimais bien. Voilà, donc comme ceci. Et puis comme ceci. Voilà. Je trouve que ça va super bien avec l'orange. Donc ici, on va décorer. Alors, comment? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que là, par contre, il n'y a pas vraiment de décor pour ça. Donc, je voulais juste peut-être marquer des petits mots, souvenirs. Alors ça, moi, je les ai dans ma machine. Et en plus, les mots, ils sont là. Voilà, alors, voilà, tous mes mots sont ici, et j'ai le mot donc souvenir, inoubliable, moment, magique, découverte, mais je crois que le plus adapté, ça serait souvenir. Voilà, je peux mettre souvenir, quelque chose de, ouais, de sympa ici, là, vous voyez, au milieu. Et mettre comme un cadre. Alors attendez, je dois avoir ça. Ah, j'en ai plus les gros. C'est dommage. Il va me rester que ça. Ouais, mais ça c'est beaucoup trop gros, voyez. Parce qu'on peut y mettre un cadre. Hein. Ça fait sympa et puis marquer souvenir ici. Oui, pourquoi pas. Mais alors, faut que je le peigne en blanc. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que ça, à la base, oui, c'était du papier que j'ai rajouté. Ben, il faudrait que je fasse. Je ne suis pas que ce soit trop épais. Je vais le faire sur une feuille de papier, tout simplement. Parce que si je le mets pas en blanc, ça va pas faire joli. Pour moi, là, non, la couleur ne me va pas du tout. Mais par contre, on peut le faire en papier. Je vais le faire simplement en papier. Hein. Et avec du scotch 3D. Ça peut être pas mal. Voilà. Alors, il est un peu grand, du coup, le scotch 3D. Il faudrait que je le coupe en deux. Donc voilà. Alors, je vais faire un cadre qui va mesurer à peu près dans ce style-là, du coup. 12 par 17. Alors, je repousse celui-ci. Alors, 12 par 17. Voilà. 17. Voilà. Et je laisse 1 cm. Alors, je me refaire. Encore un petit peu. Voilà. Donc ici jusqu'au 16. Voilà. Et je reviendrai au cutter si jamais il manque un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc je vais venir avec la pointe du cutter. Alors je vais pousser mon album. Voilà.
ceci, ben voilà. C'est parfait. Alors, hop, voilà. Ouais, même le laisser juste comme ça, ça peut faire sympa. Alors, je vais voir ce que ça peut faire avec du papier. Non, je pense que je vais le laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça joli du coup. Alors, soit droit, comme vous le souhaitez. Moi j'aime bien comme ça. Comme ça, on peut mettre souvenir juste comme ça. Et moi, souvenir, par contre, il faut que je le trouve en une couleur un peu irisée. Bleu foncé. Alors, mes papiers. Je cherche du bleu. Hein. Ah, j'ai du violet, du rose, du rouge, mais c'est vrai que je n'ai pas de bleu. En tout cas, cette teinte-là, je ne l'ai pas. J'ai du noir, voilà, j'ai du noir, du rouge, de l'argenté, voilà, du noir. Et je voulais un peu trouver dans ce style là, je crois que je vais pas avoir, alors je vais bouger un peu la caméra, hop, je vais regarder dans celui-ci. N'en est pas. Alors j'ai du bleu très clair, mais ça, ça ira pas. J'ai du vert, du rouge, mais je n'ai pas. Non. Bon, je vais le prendre un peu. Comment on dit, bon, je relève un peu, du coup. Voilà, paf, comme ceci. Alors, je vais peut-être le prendre en noir alors. Bon, je vais essayer de voir ce que ça donne. Avec mon bon souvenir. Voilà. Tout simplement, ma machine, elle est à côté. Alors, je le fais vite fait. Bon, je trouve pas chambre dans le champ de la caméra, mais c'est pas grave. Ici, on va le pousser avec une aiguille ou quelque chose. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors, je vais ranger tout de suite mon mot pour pas le perdre. Et voilà, on va voir ce que ça fait souvenir. On peut même le mettre dans le milieu. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça joli. Alors j'hésite, bien évidemment. Alors je vais peut-être raccourcir un petit peu le bord, parce que 1 cm, je trouve ça un peu épais. Je trouve ça un petit peu épais, donc on va essayer de raccourcir. Je vais peut-être faire ça à la règle plutôt. Donc là, on fait vraiment, vous voyez, comme je le sens. Voilà. On va regarder, on va laisser 4 mm. Voilà, 4 mm. Ah ben je sais, on va couper à 4 mm, ça c'est encore mieux. Il fera un petit peu moins du coup, vous enlevez 4 mm. Voilà. On enlève 4 mm. Voilà, c'est ça. C'est parfait. On enlève 4 partout.
comme ça au moins. Ça fera pas trop. Voilà. Vous voyez? Donc en enlevant 4 mm, il mesure maintenant 12 sur 17, ben ça fait 11,6 sur 16,6. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Ben oui, je trouve ça plus joli pour le coup. Alors, on peut venir mettre le mettre comme ceci. Ben, choisissez comme vous le souhaitez après tout. Et puis souvenir, on peut le mettre en bas. Moi j'aime bien comme ça. Après, moi aussi, j'aimais bien comme ça, mais du coup, je trouve que le mot, il ressort moins bien. Donc, on va coller. Alors, je voulais le mettre du double face, mais finalement, vous voyez, je ne vais pas en mettre. C'est pas plus mal. Voilà. Alors, je vais essayer de la mettre le plus au milieu possible. Donc là, il reste à peu près 5. Un peu trop par là. On va essayer de la décaler. Voilà. C'est pas trop mal. Ouais. Et là-haut, je vais pas. Voilà, 2 cm. Ouais, c'est à peu près bon là. Ensuite, bon, ben voilà, vous voyez, ça m'arrive de faire des bêtises. Et là, j'en fais, bien évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Donc. Ici on est à... je vais prendre au bord plutôt. Voilà. Hop, ça y est, j'ai collé. Et maintenant, je vais coller le mot souvenir dessus. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller comme ceci. Pour que les mots adhèrent bien, enfin le mot adhère bien plutôt. Voilà. Et je viens de voir que j'ai oublié de retirer. Le R, la boucle du R. Voilà. Ça y est. Hop. Ensuite, ça bouge. Voilà. Hop. Et voilà. Moi, je trouve que le mot, on le voit bien. Je sais pas si... Oui, voilà, vous aussi, vous le voyez bien. Voilà. Et il est super beau. Il est tout ce qu'il y a de plus simple, mais moi, je préfère. Parce que des fois, plus on charge, plus ça fait trop. Voilà. Ça, c'est une question de goût et de choix. Maintenant, on va pouvoir venir coller tout simplement nos pages. Bon là, il n'y a rien de plus simple. On colle dans le milieu. Alors attention au 0,5 surtout. On ne touche pas au 0,5. Voilà, alors,
comme ceci. Alors attendez, hop, je vais l'ouvrir pour savoir comment je suis. Niveau haut, niveau bas. Là, je suis pas trop mal. Voilà. Maintenant, dans le milieu, est-ce que j'y suis bien? Ouais, là, je pense aussi que j'y suis. Voilà. Donc, ça y est, vous voyez, on s'est mis dans le milieu et on a collé. Alors, vous voyez, ici, j'ai une petite trace de colle. Donc, ça, on les enlèvera après avec tout simplement du sopalin et de l'eau. Voilà. Donc là, maintenant, on va attendre que ça prenne bien. Hop. Voilà. Tac. Et voilà. Donc, il aurait fallu que je mette quelque chose ici pour le maintenir. Donc là, c'est pareil. Vous coupez vos papiers. Donc ici, 22 par 22, ça fait 21,6 par 21,6. On fait les angles là. Ici, bah, comme pour le reste, j'enlève juste 2 mm. Du coup, bah, je prends 15. 15 sur là, par contre, plus large. Je vais prendre jusque presque au bord. Donc j'ai 22. Je vais prendre 21,6. Attendez. Non, ici, j'ai pas. Alors, attendez, je vous ai dit une bêtise. Ici, j'ai pas. J'ai 21 sur 22. Donc, 20,6 sur 21,6. Et là, ici, du coup, on a 21,6. Et là, on prend 15. Pareil, ici, du coup, on prend 21,6. Voilà. Et ma chute, du coup, elle mesure 6,8. Donc, on va prendre 6,4 sur 21,6. Voilà, vous coupez vos papiers, vous les collez et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, hop, comme vous pouvez le voir, c'est fait. Donc ici, on va faire des cartes. Alors ça, je vais le faire hors caméra, je ne le ferai même pas là. Je le ferai plus tard. Il suffit simplement de prendre une feuille A4 que vous venez couper en deux. Donc, il mesure 21, 29, 7, donc ça fait un peu moins de 15. On va couper à 14,9. Voilà. Voilà. Hop. On plie en deux. Et ça nous fait une carte. Tout simplement. Vous voyez? Comme ceci. Et là, vous pouvez en mettre absolument partout. Sachant que dans le bloc, j'ai pas eu le temps de les découper, mais vous avez des cartes comme ceci. Donc moi, je vais les découper, je vais les laisser telles que et les mettre dans les pochettes. Je vais les laisser telles que, ça fera plus joli. Concrètement, voilà. Donc là, ça vous fait une, deux, trois cartes. Alors vous pouvez vous en servir de cartes ou de, comment on appelle ça, des tags. Voilà. Ici, vous pouvez mettre une photo au milieu, derrière, enfin voilà. Donc là, concrètement, il est fini. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao, ciao!